À propos de cette cagnotte, Jean était un retraité besonnais qui habitait la résidence Joliot-Curie à 400 mètres de chez moi. Il nous a quittés très, très brutalement, dans les circonstances très, très dramatiques, assassinés. Jean était un retraité besonnais qui partageait son temps libre entre jardinage dans le jardin partagé de la rue Les Frères Benoeuf. Jean était un retraité besonnais, avait aussi une autre passion, c'était la pêche, qui lui procurait les moments de calme et de sérénité. Jean était un retraité besonnais, il nous a quittés brutalement dans des circonstances que nous tous avions été témoins dans tous les médias de France et de Navarre. Jean était un retraité besonnais. Ensemble, soyons unis, parce que la solidarité doit être le relais. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser pour soutenir sa veuve qui est totalement maigrie, fatiguée et abandonnée. C'est pourquoi nous appelons à la mobilisation de toutes et tous pour soutenir sa famille dans cette douloureuse épreuve. Grâce à une cagnotte qui a été créée le 18 décembre 2022 par l'association Besoin, Convivialité et Partage sur la plateforme qui s'appelle On Participe. Ensemble, faites grandir la solidarité grâce à vos dons. Merci, c'est fort pour les habitants de Besoin. On compte sur vous sur le long terme. Ici, vous pouvez apporter votre contribution à la cagnotte en cliquant sur Je participe. Les participations sont libres, le site est entièrement sécurisé. Merci à toutes et à tous.